Avec un artiste solo que j'aime beaucoup, puisqu'on va réagir au dernier MV de Kang Daniel. Après toutes ces péripéties à ce pauvre Kang Daniel qu'on aime beaucoup, il revient enfin avec un titre et un comeback que j'ai vraiment trop hâte d'écouter. Donc on va pas faire tarder cette introduction plus longtemps et on passe tout de suite à la réaction. Et c'est parti pour cette vidéo réaction à Electric Shock de Kang Daniel. Let's go! Genre de Muppet Show. Electric shock, oh oh oh, straight to my heart, oh oh oh, Father Jack, no love, j'aime beaucoup. Oh non, il est trop mignon. Oh. C'est trop stylé comme MV, j'aime bien. Oh non, mais il est trop mignon comme ça, en espèce de petit nerd. Là, il est trop chou. Ouh. Ça, c'est beau. Ouh. Ok. Oh. On est en train de perdre. Ça c'est beau aussi avec la chorégraphie et tout, c'est trop stylé. En plus, à l'approche d'Halloween et tout, je trouve que le MV il est dans le thème. Il a l'air très maladroit ce Kang Daniel là, le nerd. Ok, il est persiste pour lui-même. C'est stylé comme parallèle. Il est trop mignon le Néo, je craque trop. Wow. C'est stylé la petite voiture et tout là. Oula, il en fait des quadrilles. Oh, j'aime trop ce passage. Il est trop mignon, sauvez-moi. Oh non, il est trop cute. Il est trop fier là-dedans. Magistral, j'ai beaucoup aimé. Oh, on a le petit parallèle, j'adore. Trop mignon. Bon, et bien vous choisissez quel Kang Daniel, le Kang Daniel Idol, on va l'appeler, ou le nerd, ou les deux ensemble. Je vous avoue, moi franchement j'ai vraiment trop craqué pour le nerd, il est absolument trop cute, mais j'aime beaucoup aussi une fois qu'ils sont réunis tous les deux, puisque ce sont finalement tous les deux Kang Daniel. Voilà, ce sera ma conclusion sur le débat. Pour parler de la musique, vous l'avez compris, je la trouvais très cool, elle est très chill. En fait, elle va avec l'ambiance un peu mignonne et excentrique du MV. J'aime beaucoup l'histoire qui se déroule aussi devant nous. Franchement, j'adore ce parallèle entre quelqu'un d'un peu maladroit, qui tout ne sourit pas, qui rêve en fait de devenir quelqu'un
qu'on connaît, donc une idole et tout, en admirant en fait une idole avec laquelle il travaille. Bon, cette idole c'est lui, mais bon, voilà. Et j'aime bien, après, à la fin, on a vraiment cette conclusion qu'il est heureux tout simplement et qu'il se donne à fond pour être comme lui. Et qu'à la fin, ben, les deux sont finalement les mêmes personnes, donc j'aime beaucoup, beaucoup ce parallèle. Vraiment, la musique et le MV, j'ai beaucoup aimé. C'était un très très bon moment que j'ai passé avec Kang Daniel et avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la musique et du MV en commentaire, comme d'habitude. Je me ferai un plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, laisser un petit like. Ça fait tout aussi plaisir et ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle de vous abonner et d'activer la petite clochette pour être prévenu des prochaines sorties vidéo. Je vous recommande aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok. Je vous mets tous les liens en barre de description. Mais je vous recommande surtout de me suivre sur Instagram, qui est le réseau social sur lequel je suis le plus active et avec lequel je communique le plus avec vous. Il y a toujours le concours de la rentrée, il va pas tarder à se terminer, donc n'hésitez pas si vous n'avez pas envie de le louper. Et j'en profite aussi pour faire la petite promotion des nouveaux articles qui sont arrivés sur la boutique. Donc il y a des petits bracelets comme celui-ci que je porte, des petits bracelets Halloween, pour le coup avec un thème Halloween, qui sont sortis. Donc il y a Stray Kids, 80s et T-by-T. Ce sont des bracelets uniques, j'en ferai pas d'autres, donc voilà, c'est des pièces uniques. Et il y a aussi des petites charms pour votre téléphone, Stray Kids versus Deadpool Wolverine, donc pour la collaboration qu'ils avaient fait ensemble à l'occasion du dernier comeback et du film. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir pour Halloween et de vous apprêter un petit peu en style K-pop, eh bien vous pouvez trouver des articles sur ma boutique. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Been on my way since day one. I wait every day since I'm gone.